Droite au bout. Droite au bout. So now in English. Mr. Mayor, thank you. Thank you for hosting this. Yo les gars, c'est Speed. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale parce que nous sommes en compagnie d'un autre youtubeur. Je vous laisse deviner lequel. Il a 27 000 abonnés. C'est un youtubeur marseillais. Je sais pas. Moi, si t'es pas abonné, c'est que t'es pas un vrai marseillais. Moi, je dis ça. Bonjour à toi, Il Maestro. Salut à tous. Et merci de me faire ce projet avec moi, en tout cas. Bah, merci à toi, parce que pour l'instant, c'est pas moi le gros youtubeur. Oui, mais bon, ça c'est pas le plus important. Donc, aujourd'hui, on va faire l'OM sous les Remcourt. Donc, très bonne idée d'Il Maestro. Nous allons faire avec des rumeurs de transfert, mais pas forcément. Nous avons pris des joueurs, personnalisé nos équipes. Le tuto restera à venir sur ma chaîne. Donc, nous avons pris des joueurs, des rumeurs ou des joueurs que nous aimerions bien voir à l'OM. Et nous les avons mis dans nos équipes et on va s'affronter dans un match. Allez sur ma chaîne et match retour sur sa chaîne. Voilà, t'as tout résumé. Donc voilà, on est parti. Hein. Sachant que, comme peut-être vous le savez si vous supportez l'OM, Macourt il a dit que le budget serait plus de 200 millions environ pour les transferts. Donc on a à peu près respecté ça. En tout cas pour ma part, toi aussi, d'après ce que tu m'as dit. Oui, j'ai essayé de faire une équipe à maximum 200 millions. Voilà, donc nickel. Donc on est parti, on va aller voir ça. Je suis prêt, j'espère qu'il n'y a pas de soucis. Ouais, je vais prendre le beau maillot. Alors, on va aller dans gestion d'équipe. Attends. Ah, je crois que j'ai pas les bons. Ah si, c'est bon, en fait, c'est juste, ça m'a enlevé toute la compo. Okay. C'est bon. Donc là, vous allez voir l'équipe que j'ai faite, hein, du coup. Donc on est parti à l'Orange Vélodrome, parce que le nom a changé, excusez-nous. Donc voilà. Moi, vous avez vu la team que j'ai faite. Elle doit être sympathique. On va se mettre en ultra défensif contre-attaque. Le mec qui commence. Vas-y, bon match en tout cas. Merci, bon match à toi aussi. Le faire perdre avant tout les gars. Ravi. Par contre le soleil Ah non, ça va. Ah, le soleil, les voisins qui font des travaux, ça va pas le faire. Fais des folies. D'accord, merci. Déjà ouais, t'as pris. Bon, tu vas y arriver ton... Il n'arrive pas à faire un geste technique, Melfis. Qui a été annoncé à l'OM plusieurs reprises, j'ai vu. Ouais, c'est pour ça que je l'ai pris. Moi, j'ai même pas vu tes joueurs pour te dire que j'ai pas regardé. Ouais. Allez, Divock. Divock Origi pour le 1-0. Je sais pas qui c'est qui m'a fait l'erreur là. Je sais pas. Ah, c'est Comtobia, excusez-moi. Ah, c'est Depay. Désolé pour le ralenti, hein, je regarde juste un peu. Ouais, t'inquiète, non, mais y'a pas de soucis, ça va. Fait j'ai pas... Ah, c'est Benatia, non? Ouais, je crois que c'est lui, ouais. Bon, bah, comme Dogbia, bienvenue à Marseille, mon frérot. Il a fallu 7 minutes. Y'a Javier Hernandez et. Ouh, dommage. Merci. J'ai mangé. Donc, j'ai mis Costilocage, hein, un joueur libre, à la fin de l'année. Ouais. C'est Mandanda. Ah, Mandanda, voilà. Je voulais le mettre, j'ai hésité, mais je me suis dit, ah non, allez, on va pas le mettre. Je dis, comme il se plaît pas vraiment à Crystal Palace, je me suis dit peut-être qu'on pourrait le faire revenir. Ah oui, Payet, carrément, ça rigole plus. Il a plus le temps, là. Ah, oh, dommage. Payet, j'ai hésité à le remettre, mais je me suis dit, tu vas le mettre. Moi, j'ai mis Godin, moi. Ah ouais, t'es chaud. J'ai mis Godin. C'est tout. Ouais, c'est ton joueur cher en fait, Godin. Bah, c'est le joueur le plus cher. Ouais, bah, moi c'est Payet. Ah, bah, Payet aussi, hein, va falloir casquer hein, pour le faire venir, je pense. Ouais. Ah, bah, ouais, là. Bon, je pense qu'il vaut 30 millions, mais West Ham, ils laisseront pas. Ils vont le lâcher à 45 millions, West Ham. Ouais, voilà, c'est ça, entre 40 et 50. Alors, attends, parce que je sais pas les frapper, mais j'ai Memphis. Et Memphis! Ah, dommage pour toi. Alors, tu vois, quand je t'ai dit que les poteaux allaient être avec moi, à voir si des changements tactiques sont à faire. Ah bon? Oh putain. Ah, c'était eh, franchement, franchement, des têtes, j'en mets jamais. Hein. Non, mais non. Alors là. Non, mais j'avoue que des têtes, j'en mets jamais, quoi. C'est vrai que.
C'est pas le truc que je fais souvent. Les centres. Ça se voit d'ailleurs dans mes carrières, je mets jamais de tête. Ouais, bah oui. Va-t-on marquer grâce à Depay et la heureusement frappe. Que tu pars Rolando. Oh, alors là, siffle. Voilà, ah. C'est bien ce que je disais, siffle. Merci, monsieur l'arbitre. Voilà, bon, un partout pour l'instant, c'est logique. Bon, pour l'instant, je fais des tirs cadrés, je suis content. 4 tirs. Le match nul est amplement mérité. Ma foi, ils ont mis 8 à Chicharito à la mi-temps. J'ai pas compris, pourtant, je le trouve un peu juste. Quoi. C'est vrai qu'il a fait une barre, mais bon, il se fait bouffer, j'ai l'impression, par TDC. Hop. Comme il est tombé comme une merde. Ouais, mais j'aime pas ça, tu vois. Ça me plaît pas trop. C'est paillette. Alors attends. Ah, je vais faire tirer Maxime Lopez. C'est le mec. Hop. Je mets un truc dans le mur, tu vois, dans les cages. Je m'en fous. J'ai pas envie de perdre. Tu vois ah. Tu vois ah, putain. Ouais, but de merde. Bravo. Ouais, mais bon. Celui-là. Waouh. C'est De Rossi, non? Ouais, je crois. Ouais, c'est lui. Bravo, le bravo. Renard, quoi. Oh là ouais, là c'est là le coup franc. Je crois s'il y avait pas Jara, il serait rentré ou pas le coup franc. Rentré. Je connais. Oh. Ouais, mais par contre, vos contrôles. Ouais, Jara, il a du mal, hein, des deux côtés. Il fait un match de merde, je trouve. Ouais. Ah, oh, par contre, c'est beau ça. On voit qu'il a envie de partir encore. Gomis. T'as vraiment pas de chance. Tu crois ça? Je te dis, moi je suis Flonox en fait, tu vois. Et Thauvin, on t'a pas vu là. Ah, Thauvin, je trouve, il est pas bon dans le jeu, je te jure, même dans ma carrière avec Marseille que je fais aussi. Ouais, moi ça va dans ma carrière. Moi, peut-être que je sais pas jouer. Et là, oui, mon petit. Bon, comment vous dire que. Ça, c'est bon, c'est l'expérience d'abonnés qui joue, ça, vous voyez. Oh, Costil, t'es nul, hein. Viens pas à Marseille, hein. J'en veux pas de toi. Alors, c'est qui dribble comme ça? C'est Thauvin. Non mais c'est qui que je dribble, enfin c'est qui ton joueur? Ah, rien, c'est chaud, c'est Luc Chaud. Luc Chaud aussi, il est pas très bon. Ah, t'as mis chaud. Ouais, bah il est pas chaud. Et hein. Charles lui, je pense. Après ça caille. Après ça caille, Luc Chaud. Après le froid, le chaud quoi. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, ça suffit, on va arrêter cette blague. C'est comme le Ying et le Yang. Surtout que je vais me prendre à 4-0 bientôt. Ah, mais c'est parce que je suis en train de jouer en doudoune parce qu'il fait froid chez moi, vous voyez. Pas pratique. Allez. Oh, c'était bien joué. Putain, mais c'est pas possible. Mais j'en ai Gomis, il a pas mis de puissance. Je sais pas ce qu'il a fait. Gomis, il a fait une passe. Non. Oh, putain, il fait que des. Costil, excuse, mais il a pas fait un arrêt du match quand même, je t'explique. Oh, c'est quoi ça? Frappe de merde. T'as voulu enrouler, non? Ouais. Mais vraiment, c'est caca là qui m'a fait. Ah, c'est. Putain, oh la passe. Nordin passe en profondeur le truc. Oh, je me prends 3-1, j'ai pris trop cher. Allez, la Gomis. Allez, Gomis. Oh, bien joué. Oh. Bien joué. Ah, putain, je l'avais vu, bien joué. Et c'est qui marque, devine? Tu vois, le gars, on le voit pas du match. Ouais, bien joué. Bon, allez, on s'en fout là. C'est la défaite quand même, donc je suis très attristé de devoir aller acheter un maillot de Marseille pour me consoler. Ah. Bon, défaite. Bien joué. Hein. Défaite, bien joué à toi. Donc, match retour sur ta chaîne. Ouais. Il Maestro, n'hésitez pas à vous abonner. Je veux qu'il ait 50 000 abonnés à la fin de 2018. Sinon, j'arrête YouTube, vous voyez. Le gars, il est chaud comme ça. Non, c'est. Espérons. Allez, il a déjà 27 000 abonnés, je pense que l'année prochaine, Paris Games Week, il sera en soirée avec Viken, etc. Au calme. Moi, je voulais passer une petite dédicace aussi à mes frérots Tezax, Xiro, Fifut et Zerkos. Allez les follow et à vous abonner à leur chaîne. C'est les frérots, c'est la team, c'est l'objectif secret de défense. Allez, je laisse le dernier mot de la fin pour Il Maestro. Moi, je vous dis à la prochaine pour le match retour. Allez, peace. Salut les gars.